tous. Nous les avions appelés les étoiles de la toile. Ces Français devenus célèbres sur Internet grâce à une chanson, à des vidéos ou encore à des gags. Leur succès, ça s'appelle un buzz. Souvenez-vous de cette scène de football improbable. Elle est signée Rémi Gaillard. C'était en 2008. 450 millions de vues sur Internet. Aujourd'hui, c'est déjà plus du double. C'est de s'amuser, d'être libre et de rester n'importe où. Voilà comment Rémi Gaillard résumait sa philosophie de vie. Alors, est-ce qu'il est resté fidèle à ses engagements? Les stars du net que nous avions rencontrées il y a 3 ans sont-elles devenues des stars tout court? Vats, l'été dernier. Au pied des arènes, la foule attend son idole. D'habitude, c'est sur Internet qu'ils suivent les exploits de leur star. Ce soir, il sera là en chair et en os. Franchement, je lui vénère. Je suis hyper ok, Nadax. La seule chose que j'ai à dire, ce mec, je l'adore, tu vois. C'est mon idole. C'est une vraie star, c'est une vraie star. Vraiment, vraiment. Son nom, Rémi Gaillard. Ce soir, le Montpelliérain de 37 ans a vu les choses en grand pour réaliser un de ses petits films qui font son succès depuis 10 ans. Donc là, on a stocké en tout et pour tout 4000 bombes de mousse pour s'amuser. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi, ça m'amuse. Les bombes de mousse, c'est... Tu vois, c'est... Les spectateurs ont payé leur place 10 euros pour faire la fête avec la star. Pas de branleur, pas de Gaillard. 1h du matin, Rémi Gaillard monte sur scène, suivi par la caméra d'un de ses copains qui filme chacun de ses sketchs. Postée une semaine plus tard, la vidéo réalisée à Dax atteindra plus d'1 million de clics en moins de 48 heures. Depuis notre précédent reportage, Rémi Gaillard n'a jamais perdu son titre, celui du comique français le plus regardé au monde. Moi, je pense que tu peux y arriver. Au commencement de sa légende, il est un vaste terrain de jeu. Un ballon et une caméra miniature qui suffiront à faire de lui une star internationale. Visible uniquement sur le net, le succès de ces films est phénoménal. Des sketchs comiques, sans prétention, dont il est le personnage principal, et dans lesquels il tourne en ridicule le monde qui l'entoure, quitte à y laisser quelques buts. Les scènes sont travaillées. Mais la réaction des passants, toujours imprévisible, est une partie essentielle de la réussite du film. Rémi Gaillard avait une cible à privilégier, les policiers. Course-poursuite et succès garanti. Dans son appartement de Montpellier, où il vivait avec sa bande de copains, Rémi Gaillard tenait les comptes de son audience. Donc le 25 juin 2009 sur Dailymotion, je suis à 208 711 031 vues. Et sur YouTube, je comptabilise 139 260 294 vues. Les films de Rémi Gaillard ont été vus plus de 400 millions de fois sur toute la planète. 3 ans ont passé. Bonjour. Ça va ? La star du web n'a pas changé d'adresse et les copains sont toujours là. On est dans le salon. Regarde, tu peux filmer. Ça, c'est un pote à moi qui me filme de temps en temps. Il est musicien. Voilà, il me filme de temps en temps. À sa notoriété, Rémi Gaillard ne voit qu'un seul problème. C'est ma caméra. Il serait aujourd'hui trop favorablement connu des services de police. Il y a une poignée comme ça quand on se fait courser.
C'est facile. Ça arrive encore, ça, de se faire courser? Ça arrive moins souvent parce que je t'avoue que les forces de l'ordre commencent à me connaître. Mais moi, ça m'arrange pas. Parce que ce que je veux, c'est qu'il y ait du fight. Et si je ne fais pas courir après, si je ne me fais pas péter la gueule, entre guillemets, il n'y a pas de buzz après, quoi. Alors, pour assurer le spectacle, Rémi Gaillard continue à vivre dangereusement. Scène de guerre dans un bunker de golf, 17 millions de vues. Opération escargot sur la route, près de 35 millions de vues. Aujourd'hui, Rémi Gaillard a franchi la barre du 1 400 000 000 de vidéos vues, trois fois plus qu'il y a 3 ans. Dernier buzz en date, cette vidéo où il est déguisé en faux radar. Mais à 37 ans passés, aurait-il peur de perdre sa place de numéro 1? Je suis pionnier, donc ça on ne pourra jamais me l'enlever, même si je me fais dépasser. Et puis je ne suis pas dans cette compétition, même si ça m'amusait beaucoup au début, je ne le cache pas. Mais je me souviens quand j'ai fait mon premier million, c'était marrant, je me suis marré. Mais aujourd'hui, je ne les compte plus, les millions. Et ça, 50 ans, vous pensez que vous déguiserez toujours en escargot ou en kangourou? Peut-être pas en escargot ou en kangourou, mais en grenouille ou en hamster, j'en sais rien, moi. Mais je sais pas, j'ai pas d'idée, tu sais, je sais même pas ce que je vais faire demain. Enfin, si demain je suis en train de préparer un film qui va passer au cinéma, c'est pour le grand écran, et donc ça, c'est... Bah, tu vois, c'est autre chose, c'est une voix différente. Après les clics, Rémi Gaillard rêve donc de clap. Derrière ces vidéos se cache aujourd'hui une industrie du divertissement en pleine expansion. Depuis notre précédent reportage, les stars du web, comme Rémi Gaillard, ont appris à faire fructifier l'audience que génèrent leurs vidéos. Vous êtes de Montpellier? Non, de Montpellier, ils sont d'Abidjan. Abidjan, on a beaucoup entendu parler de vous. Ça en faisant n'importe quoi, quand même. Vas-y. Voilà, moi je prends. Vous n'avez jamais marre de ne pas pouvoir être tranquille dans la rue? C'est mes potes, t'as vu? C'est mes potes. C'est salut Rémi, tout ça, c'est cool quoi. Ils me disent d'où ils viennent, souvent on discute, et puis des fois ils me donnent des idées pour faire des conneries. Son public est une source d'inspiration et sa popularité, son unique source de revenus. Tu vois, je vais cliquer sur le radar. Il y a deux publicités à côté. Donc j'imagine que ça m'apporte des soins, moi, puisque c'est ma propre création. Comme sur une chaîne de télévision classique, les sites de partage de vidéos comme YouTube ou Dailymotion se servent du succès de ces programmes pour attirer les annonceurs. Il y a une publicité qui va apparaître. Et plus ces vidéos génèrent de clics, plus le site internet lui reverse de l'argent. Je vais embaucher quelqu'un pour le faire à ma place. Je gagne ma vie grâce à Internet et uniquement grâce à Internet. Je travaille pas, je suis pas caissier à côté ou je fais pas d'extra. Non, c'est fini. La dernière fois que je travaillais, c'est en 1998. J'étais vendeur de chaussures dans un magasin de sport. Donc ça fait un moment que je travaille plus, tu vois. Mais ouais, voilà, c'est... Et combien ça rapporte? Non, honnêtement, je sais pas combien ça me rapporte. Je sais que je sais pas. Tu veux le numéro de mon comptable, tu vois avec lui. Franchement, même lui te dira que j'en ai rien à foutre. Et moi, ce qui compte, c'est de pouvoir mettre de l'essence dans ma voiture, de pouvoir aller où je veux, quand je veux, de pouvoir remplir mon frigo, même si je ne le remplis jamais. Et voilà, quoi. En insistant bien, la star nous confiera gagner entre 3 000 et 7 000 euros selon les mois.